Bon, en tant que journaliste qui fait des investigations depuis 40 ans maintenant, il faut que je vous explique quand même un peu comment tout ça s'est managé, hein. Alors voilà un parfait exemple là, dans le ciel, où, qui est bleu complet, où cette chose-là ne devrait pas être là, n'était pas là avant, hein, il y a plus de 25 ans. Alors ça, c'est pas un nuage. Ce n'est pas un nuage, ce n'est pas un nuage. On le voit bien d'ailleurs, il est tout allongé, on voit bien que c'est une trace de quelque chose qui a été mis là dans le ciel. Hein? Ce n'est pas un nuage du tout, c'est un conglomérat de particules, bien sûr, hein, qui se sont agglomérées autour de vapeurs d'eau, bien sûr, mais c'est bourré de particules. Et ces particules, donc, fonctionnent avec le nouveau monde, le monde meilleur. Hein? Voilà, alors faut bien garder ça parce que on va en reparler et essayer un peu d'expliquer à la façon, bien sûr, des Indiens d'Amérique, des Ayoka. Dimanche, c'est dimanche. Et les dimanches, mon coupant une tranche de tarte aux pommes. Oui, ben là, il n'y a pas de tarte aux pommes parce qu'il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de touristes. Parce qu'ils sont confinés, ils sont mis eux-mêmes en autoprison. Oh, non, mais c'est comique, hein. C'est comique. C'est un sketch, comme il dit Mika. Hein? Voilà. Alors là, on a 2-3 jours d'été indien quand même. On a un petit été indien qui est arrivé, quelques jours d'été indien, un temps magnifique, merveilleux, et personne n'est là dimanche pour aller se promener en famille. Personne n'est là. Ils se sont tous mis en autoprison à la maison. Voilà. Hein? Ça, c'est le chemin qui va aux trois lacs, au lac bleu, au lac noir et au lac vert, je crois. Et là, il n'y a absolument personne. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui y répond. Et voilà. Eh bien, on s'en fout. Eh bien, c'est très bien qu'il n'y ait pas de promeneurs. Voilà, tout le monde est interdit ici. Ben, pas moi. Ah, ça va pas faire comme dans le premier confinement. Hein. Moi qui vous le dis, hein. Ah, vous oubliez ça, hein, d'être resté enfermé tout le premier confinement. Alors là, ça risque pas ce coup-ci, hein. Des clous. Bon ben là, à droite de toutes les plaques de neige, là, il y a les rochers avec les marmottes. Et il semblerait que le grand conseil des sages marmottes de la tribu a décidé de confiner toutes les familles de marmottins et de marmottines dans les tunnels de la grande ville marmotte. Bon, ben voilà. Ils sont partis dans leur petite semi-hibernation. Bon. Mais elles sont très bien parce qu'elles n'ont pas besoin de masques. Et puis, les tunnels, c'est une ville extrêmement bien faite. Plein de galeries partout, il y a une super bonne aération, donc elles peuvent bien respirer dans des petits coins bien chauds, tout ça. Elles ont une bonne fourrure et tout, elles sont très bien. Bon, voilà, eh ben, si tout le monde pouvait être comme les marmottes, ce serait très bien. Allez, bravo, vive les marmottes. On n'a pas resté devant chez elles parce qu'il y a du coup de vent, là, c'est froid avec la neige. On est obligé de descendre un peu, on va faire de la vidéo ailleurs. Eh ben, il va en couler de l'eau sous ce pont, le pont Indiana Jones, avant que les cerfs, ça s'écrit comme les cerfs du Moyen Âge, avant que les cerfs du Moyen Âge puisse ressortir et aller pour la grande fête de la consommation qui s'appelle Noël, où là ça va sortir avec les caddies remplis à
à bord, pour après être mis en prison. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avec les serfs, les serviteurs, les servants, les gueux, les esclaves. C'est comme ça qu'il faut faire avec eux. Pour marcher le commerce pendant les fêtes de Noël, et puis après, coucouche panier de nouveau. C'est très bien, ils savent très bien les manager, ceux de l'élite et tous ceux qui dirigent là, les dirigeants de la Terre, là. Dirigeants de planète, ils font pas ça, non, c'est pour ça qu'ils sont inquiets. On va essayer un autre sujet. Voilà. Bon, on n'est pas aussi bien équipé ici que à la cabane de la mire, que la cheminée n'est pas aussi grande. S'ils ont mis un insert ici, c'est on peut pas faire aussi un grand feu, mais ça va bien faire l'affaire. Bon, on n'a pas pu faire de vidéo parce qu'il faisait du vent, il faisait froid et tout, bien que c'était quand même une journée un peu d'été indien. Enfin, pas, la température, pas complètement, quand même. Alors ici, on va raccourcir la vidéo, hein, parce que j'ai déjà fait des intros, là. Les 5 premières minutes de Yoka et compagnie. Alors on va continuer cette vidéo qui est au Captain Citrep, hein, Cit Report, Situation Report, du 1er novembre. 1er novembre, ouais. Ouais, Halloween, on s'en fout complet. 1er novembre 2020. 2020. Bon, on va essayer de faire ça à moitié en yoka, puis à moitié en normal. Dès que c'est un peu chaud, on le donne en yoka. Sinon, ben, on le donne comme c'est. Alors, comme tout le monde n'a pas écrémé et regardé toutes les vidéos. Il y en a beaucoup qui sont sur ma chaîne Golden Star Scene Report. Et tout le monde n'a peut-être pas tout vérifié, tout regardé. Et puis il y en a beaucoup quand même des nouveaux là. Hein, il y en a 300 ou bon, 200, 300 qui sont quand même assez nouveaux, qui sont arrivés. Alors il faut que je fasse quelques petits rappels. Alors là, on va faire un rappel, une pique. Ah non, non. Oh ben non. On peut utiliser ce mot-là, on le verra assez vite, ça, cette histoire d'aiguilles longues comme ça, ou bien longues comme ça, ou bien longues comme ça, ou alors des petites micro-aiguilles qu'on mettra dans un bracelet, j'en ai pas, mais, plac, c'est un bracelet, attends. T'as mis ton bracelet, toi? Montre voir, vous avez votre bracelet, monsieur? Bon. Vous avez le masque? Oui. Et puis, vous avez le bracelet. Montrez-moi le bracelet. Voilà. Alors, le bracelet, le micro-aiguille. Oui, allez, ça va. On aura le temps de voir ça assez vite. Et on parlera que ça. Alors, c'est pas le peine d'utiliser ce mot-là. Picouze, là, pour l'instant. Parce qu'on l'aura assez dans un futur très proche. Alors, donc, on rappelle, puisque c'est pas une... Du rappel, je vais rappeler, vous allez chercher l'entier, hein, dans ma chaîne Golden Star Seed Report, message de Hermès. Tout le monde connaît le Hermès, hein. Si vous ne connaissez pas Hermès, ben, vous allez regarder sur, vous faites d'autres recherches. Alors donc, on va faire quelques petits, un petit extrait en vitesse pour ceux qui ne l'ont pas regardé ou qui s'en rappellent plus. Allons-y. C'est un extrait, hein, donc du message d'Hermès, revoyé dans ma chaîne. Vous allez bientôt être invité à accepter l'implantation d'une mini-perle qui tiendra lieu de moyens d'identification personnelle. Alors ça a été expliqué, hein, par beaucoup de gens actuellement. Hein. En fait, ce sont des gels. Non, c'est pas un gel hydroalcoolique, non, c'est des micro-gels qui sont des micro-robots, enfin, c'est la même chose, bon, voilà. Mais qui, tout ça va servir de moyen d'identification personnelle, c'est bien comme ça, on saura les gens, tout ça, hein, et Yoka, oui, on saura les gens qui y sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont eu fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, on saura tout comme ça. Contenant trois groupes de six chiffres,
cette perle, bah, gardons le mot perle, hein, même si c'est des filaments robotiques, ouais, permettra à un ordinateur de lire toutes les données de votre histoire et de votre situation financière, médicale, etc. Six chiffres. Alors, ça, c'est pas du fake news. C'est pas du fake news, c'est du vrai, ça. Attendez, je vais enlever ça. C'est du vrai, ça. Le brevet qui a été déposé par Microsoft et monsieur bienfaiteur de l'humanité, Bill Gates, bon, merci monsieur, bon, sauver plein d'enfants en Afrique, partout avec ses vaccins. Oh, là, là, bienfaiteur de l'humanité, monsieur Bill Gates, il a déposé un brevet au printemps 2020, justement pour des choses qui seront mises dans le vax, là. Le vax. Le vax. Ou, le vax. Et ce brevet, donc, mis à part contenir une technologie qui s'appelle luciférase, hein, qui sert à éclairer la main, hein, avec un lecteur, ça éclaire. Ça, on sait que vous êtes bien vax et tout, vous êtes bien marqué comme les animaux, tout ça, tout ça. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le nom de ce brevet, mais je vais vous le mettre là. Le numéro du brevet, c'est 2020, popopopom, 060606. Ah. Et là, qu'elle nous dit Hermès, eh bien, il y a six chiffres, ou il y a le numéro 6. Alors, continuez avec Hermès. Ce que l'on ne vous dira pas, c'est que cette perle, enfin, ce système, contiendra aussi une technologie de contrôle du cerveau. Oui, vous savez, tout le monde l'a dit déjà, c'est bon, hein. Nanorobot, tout. Non, mais c'est très bien, un nanorobot, hein. C'est pour aider les pauvres malheureux de la Terre, les terriens, ils ne savent même pas penser tout seuls, il faut bien leur mettre des choses dans le cerveau pour qu'on leur dise qu'il faut penser, hein, n'est-ce pas? Ils ont bien raison, les gens qui dirigent la planète, ça, les gens de la planète. Alors, technologie contrôle du cerveau, qui est conçue pour réagir à l'émission d'un signal capable de prendre en charge les processus de la pensée et de substituer à votre pensée personnelle un programme d'idées émises à partir d'une source extérieure. Alors, merci beaucoup aussi à un autre bienfaiteur de l'humanité. Waouh! Un bienfaiteur de l'humanité, je ne sais pas, hein, si je pouvais téléporter ma panthère noire qui était avec moi en Amérique, s'occuperait de ton cas, mais enfin bon. Alors, un autre bienfaiteur de l'humanité qui s'appelle monsieur Elon Musk, n'est-ce pas? Celui qui envoie plein plein de satellites, là, des dizaines de milliers, il veut mettre des centaines de milliers de satellites pour tout un tas qui vont marcher avec la 5G, avec tout ça, toutes les choses merveilleuses, merveilleuses technologies pour l'humanité. Alors, la source extérieure, ça va être ça. Ça va être déjà, au départ, tous ces satellites qui sont déjà là. Ça y est, ils les ont lancés, ils sont là. Hein. Et puis, ces satellites envoient des programmes dans la 5G qui envoient les programmes ensuite avec les petites boîtes. Petite boîte très étroite qui font tiki-tiki-tac. Ouais, une chanson de Grey Mulroy, celui qui avait chanté le jour de clarté, quand tous les opprimés vont se réveiller. Ouais. Alors, source extérieure, ça vient de là. Mais il y a aussi autre chose, comme autre source extérieure, pas seulement les satellites de ce bienfaiteur de l'humanité qui s'appelle Elon Seulement, cependant, il ne sera pas fait usage d'émetteurs terrestres. Ah. Pendant un moment, on ne va pas utiliser donc la technologie au sujet dont il est question, disent les légendaires d'Astérix. Parce que ceux qui ont donné la science informatique aux bienfaiteurs de l'humanité, Bill Gates, hein, comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Allez donc fouiller ma chaîne. Parce que j'étais témoin, enfin, pas témoin direct, mais j'étais bien à Albuquerque, dans le quartier de l'université. Et je sais tout ce qui s'est passé pour M. Bill Gates avec l'armée d'air américaine. Et des technologies qui ne sont pas d'ici. La technologie qui ne sont pas d'ici, ben c'est les fameux gris. C'est quoi les gris? Eh ben, cherchez les vidéos de mon ami et collègue avec qui j'ai travaillé dans le temps, qui est reparti dans l'univers, qui s'appelle Jimmy Guieux. Cherchez donc, et il a dû faire des vidéos sur les gris. Et puis de toute façon, il en parlait à la télévision, quand on pouvait encore inviter des gens comme ça. Les gris, donc c'est les gris. Les gris vont empêcher l'activation prématurée de la fonction psychotronique, parce que c'est la psychotronique qu'on parle ici, pour éviter d'alerter les populations et de provoquer un refus massif des implants. Hein, parce qu'il faudra un certain temps avant que l'installation de celle-ci ne soit généralisée, mais enfin,
quand même pas oublier que ce message d'Hermès est de 1978. Hein. Donc on est en pile, plein pile dedans là. Hein. Hein. De cette façon, l'implant sera accepté comme étant le dernier cri en technologie. Cela rentrera dans les normes. Ben, c'est la nouvelle normalité, c'est normal, hein, tout le monde doit être vax, là, pom-pom. Prévoyant la résistance du public, il est prévu effondrement organisé des finances mondiales, de sorte qu'il n'aura pas d'alternative, on est en plein dans l'effondrement des finances mondiales. Écoutez, Pierre Jovanovic, oui, c'est un mélange de Ayoka et d'autres choses, hein. Voilà, et Captain et tout. Sinon, à refuser ça, ben, vous n'avez plus accès ni aux richesses, ni aux biens, ni aux services dans la société. Voilà. Donc, sans ça, les agréments nécessaires de la vie ne vous sont accessibles, la nourriture, l'abri, le combustible, même l'eau potable, vous seront refusés. À tous ceux qui refusent la nouvelle normalité, une nouvelle technologie comme ça pour le bien de l'humanité, puis pour sauver l'humanité des grands dangers que constituent les microbes. Hein, vous voyez, Pasteur, ben, bien expliqué, Pasteur, ben, oui, les microbes, hein, c'est dangereux, les microbes, oh là là là. Et puis, tous ceux qui ont des couteaux là, qui vous attaquent dans la rue, tout ça, il faut bien protéger la population pour ça. Alors, c'est le temps où chaque individu dans la société devra choisir entre le matériel et le spirituel, entre Dieu et l'argent, enfin, les commodités de la vie. Alors là, nous, dit Hermès, c'est-à-dire les ceux qui nous regardent d'ailleurs, les dirigeants des autres planètes. À ta santé, Jean-Claude. Ah ben, il n'y a pas de yen et ken ici, désolé. Nous nous ferons connaître, les alternatives seront claires pour tout le monde. Il y aura des alternatives. Voilà. Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là dans le CITREP. On expliquera une autre fois les autres utilisations de cette merveilleuse technologie. Donc, le brevet a été déposé au printemps, là, par Microsoft et puis beaucoup d'autres choses. On ira plus loin. Pour l'instant, on fait des petites citrapes comme ça, tac, tac. Ouais, pour terminer le citrape, hein, quelques mots là, des dirigeants des autres planètes, comme les appelait le président des commissions européennes. C'était donné à Eugenio Siragusa, qui était un contacté. Voilà ce que disaient les dirigeants des autres planètes. Avertissement aux chefs politiques et militaires de la planète Terre. Ah ben, c'est un Sicilien qui s'appelle Siragusa qui a reçu ça. Hein. Moi, je vous le donne, voilà. Les journalistes, c'est ça, hein. Vous passez l'information, je suis pas d'information, bon. 8 minutes de votre temps pour immobiliser totalement tout genre d'activité sur votre planète. Cette intervention serait immédiatement mise en exécution si jamais un conflit entre plusieurs puissances se vérifiait. Ça se prépare bien. Bah oui, la troisième annoncée par le grand Manitou, le grand chef Albert Pike, là, voilà. Il y a même statue, tout. Moi, j'habitais pas loin dans l'arc comme ça. Plusieurs fois, nous vous avons montré que nous contrôlons activement et constamment toutes les structures qui revêtent les caractéristiques particulières du potentiel d'une guerre totale, guerre mondiale, etc. Notre présence n'est pas visible et n'est pas sondable. On voit rien. N'est pas sondable par vos instrumentations électroniques. Notre activité de surveillance ne se limite pas qu'aux superpuissances. C'est-à-dire que les dirigeants des planètes surveillent tout. Y compris les communautés européennes. Oui. Nos moyens science-fiction pour vous se révéleraient opérationnels au moment voulu, si cela devenait nécessaire. Variation de gravitation, mutation du magnétisme terrestre seraient les premiers moyens de dissuasion, suivis d'autres plus convaincants. Deux points. Désagrégation de la force de cohésion de la matière inorganique. Oh, ben alors, les pauvres nanorobots, qu'est-ce qui vous arrive, pauvres petits malheureux. Conversion des vents solaires, oui.
onde de magnétisme anormale capable de bloquer immédiatement tout genre de circuit électromagnétique, absorption totale de tout genre d'énergie. Bon, on verra la suite une autre fois, hein, cet avertissement qui avait été donné donc par les dirigeants des autres planètes à Eugenio Siragusa, donc en Italie, qui avait une organisation qui s'appelait Dal cielo alla terra. Oui, du ciel à la terre. Voilà, j'arrête mon site REP là, pour qu'il ne soit pas trop long. Et on en fera d'autres. Là, c'était le site REP 1er novembre, ou confit de canard J3, ou je ne sais pas quoi. Captain Art.